Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix d'Allemagne 1997 sur le circuit de Hockenheim en version longue. Donc, la meilleure version de Hockenheim, hein, concrètement. On va faire la configuration de la voiture. Alors, je me suis entraîné avant, vous inquiétez pas. Par contre, au niveau des ailerons, on va taper des ailerons tellement bas. on va le mettre à 0. Concrètement, 1% même pas, ouais, 1%. On va faire. On aura un petit bug avec le. Ouais, c'est bon, passer à la session, on passe à la qualification. Et pour avoir fait les essais, on s'en sort pas trop mal en essai, donc on va voir si on peut avoir la pole position. Le plus difficile étant le stadium, bien sûr, puisque le stadium c'est la partie la plus lente. Et vraiment, ça se ressent, hein. Concrètement. Que l'on soit avec pas beaucoup d'ailerons. C'est assez compliqué dans les secteurs. Mais bon, après on se rattrape dans les chicanes. Par contre, il va falloir pas faire d'erreur. Allez, c'est parti. Alors, je mise énormément sur ce Grand Prix, hein, concrètement, parce que c'est on a nos chances, vraiment, pour faire un bon truc. Ouais, là, ces virages-là vont être très compliqués. Je vais me contenter juste de prendre au mieux le virage. Mais par rapport aux IA, là, on est très très lent. Et du coup, on va pouvoir voir la vitesse maxi de la Tyrrell en ligne droite. J'avais fait une vidéo, hein, où je comparais toutes les vidéos, toutes les Formule 1 sur ce jeu. Même sur les cas, sur l'ancienne version, le 98, le 99, etc. Toutes les écuries de base. Et là, du coup, je sais plus comment elle faisait la Tyrrell avec 0 aileron, mais bon. Donc c'est parti pour la première tentative, donc le version longue hein, du circuit que tout le monde connaît, enfin, soit peut-être les plus jeunes. Et voilà, avec cette... Ricane. Il a très fortement tapé le rail, espérons qu'il n'ait rien. Et voilà l'erreur qu'il va falloir éviter, justement. Vous êtes nerveux, vous êtes attaché, vous ressentez chaque mouvement. C'est-à-dire accélérer au mauvais endroit dans l'épingle. Alors je vais essayer de couper le moins possible évidemment parce qu'on peut couper les chicanes concrètement. Mais je vais pas. Enfin, je vais essayer de me forcer à pas trop le faire. Je vous dis pas que ça va être facile franchement parce que c'est. Vous voyez là par exemple, bon, c'est comme ça que j'aimerais la prendre. Mais des fois, il suffit que je loupe un peu le freinage, bon bah je tire un peu tout droit, donc je la coupe immanquablement. Mais je perds du temps de toute façon si je fais ça. Donc allez, c'est parti. Bon là le temps est mort hein, de toute façon. Il accélère à fond maintenant. Donc on est à 315, à peu près 320. Ce qui est plutôt pas mal pour une Tyrrell franchement. Bon ça va être un tour à refaire puisque là il n'y a aucun temps intéressant de fait. Ouais, c'est ici que ça va être compliqué. L'avantage c'est que je freine sur la trajectoire, du coup ils sont bloqués. Donc je sais que si je dois protéger ma position, tant que je reste dans cette zone-là, je crains rien. En tout cas dans ce virage-là. A voir après pour la suite, hein, sur la partie rapide. Ouais, meilleur temps, mais bon, 46, c'est 10 secondes trop lent. Alors je vais faire 2-3 tours maxi, je pense pas que je vais faire plus. Que je sais pas trop où je vais pouvoir gagner du temps, vraiment. S'il parvient à garder cette allure, il figurera en bonne position sur la grille de départ. Ouais, j'essaie de passer à peu près proprement. Tu dis en avance sans m'être planté. Voilà, j'ai raté le freinage. Du coup, j'ai perdu du temps. Là, j'ai perdu énormément de temps. Elle est difficile à prendre cette deuxième chicane. Victoire de Berger en 97 d'ailleurs, Karl Berger sur la Benetton, dernière victoire de Benetton en Formule 1. Berger qui avait déjà failli gagner en 96. Mais malheureusement avait abandonné son casse-moteur donnant la victoire à Demonil. Et c'est bien rattrapé l'année suivante. Bah tiens, pour Hamburger, c'est le meilleur. Une 13-336. Bon, je pense que je peux faire mieux quand même. Bon, là, peut-être pas là parce que j'ai fait une erreur. Mais. Oh, j'ai du mal à tourner. Hein. Ouf. À savoir qu'en essai, j'avais plus d'ailerons que ça. Hein. J'avais 15 à peu près en aileron. 3
troisième vitesse. Je suis à la rue complet. Hein. On va essayer d'améliorer ça. Bon, maintenant, la version longue n'existe plus. Hein. Elle est coupée en deux. Enfin, toute la forêt a repoussé quasiment dessus. Donc, il n'y a aucune chance pour que ça revienne comme avant. Que le meilleur temps au premier intermédiaire, mais il améliore ses chronos personnels. Ok, je suis à 6 dixièmes de Berger. Il a fait un bon temps. Hein. Bon premier secteur. Là où je suis pénalisé au premier secteur, c'est le premier virage. C'est déjà mieux pris que tout à l'heure. Du coup, une erreur en moins de fait. Si je pouvais prendre l'inspiration sur une voiture, ça serait encore mieux. Hein. Ça, c'est une puissante accélération. C'est quoi devant? C'est une Tyrell, une Stewart. On dirait que ça est blanche. J'ai une Stewart. Il fait apparemment un excellent tour en ce moment. Je suis en avance. Dans le deuxième intermédiaire, mais c'est pas assez. Hein. Une seconde 3. Je risque d'avoir un peu de mal. Voilà, dans la partie sinueuse. L'avantage, c'est que j'ai une bonne accélération par contre. Allez, le chrono. Une 36, on est loin. Une 36. C'est une très bonne chose pour la course de demain. 36-9, on est pas mal, on est deuxième. Il a fait un travail fantastique. Ben, je vais quand même essayer d'enchaîner tous les bons secteurs d'un coup. Et si je compare ce temps, il est en retard au premier temps intermédiaire, mais plus rapide qu'il ne l'était lors de sa meilleure performance. Oh, alors si en plus je prends l'inspiration sur la Stewart ou la Tyrell, là c'est parfait. C'est une Tyrell, non? Ouais. Et je me suis loupé. Bon, j'ai perdu un peu de vitesse de sortie. Ah, c'est pas bon ça. Je vais peut-être presque à remettre un petit peu d'aileron. Bon. J'ai peur qu'en course, le fait de pas avoir trop d'aileron, ce soit pénalisant. Il fait apparemment un excellent tour en ce moment. Il est en avance au deuxième. Ouais, j'ai encore plus d'avance que tout à l'heure. Du coup, on va en profiter. Ouais, j'ai essayé de garder de la vitesse. Allez, on va voir ici. Et ça doit être le tour le plus rapide. Eh ben parfait. Allez, fin de qualification, on va faire continue, oui. On va revenir à la construction de la voiture. Je vais masquer le classement, comme ça on le découvrira ensemble. Tac, c'est parti. Je ne vais pas regarder mon côté d'ailleurs aussi. Il va falloir faire confiance, je ne rendrai pas l'écran. Eh, faut que je remette le souris dessus. Ouais, c'est bon. Parfait. Bienvenue au Grand Prix d'Allemagne, dont le départ va être donné dans quelques instants ici à Hockenheim. Ce circuit pose aux écuries la question délicate du réglage des voitures. D'une part, l'appui sur les ailerons doit être faible de façon à offrir une moindre résistance dans les lignes droites, car les voitures peuvent atteindre 330 km/h. D'autre part, il faut trouver un compromis pour le stadium et les chicanes qui se négocient à basse vitesse, et cela de façon à garantir aux pilotes la meilleure adhérence possible. La saison dernière, Gerhard Berger a raté de très peu la victoire à la suite d'un problème de moteur. Tout porte donc à croire qu'il fera le maximum pour se rattraper cette année. Et je sais pas de quand datent les commentaires d'ailleurs à ce moment-là, mais le jeu, je crois que les classements s'arrêtent à milieu de saison, donc je crois même qu'ils s'arrêtent après ce Grand Prix.
Donc je sais pas si Jean-Louis Moncey a un peu deviné ce qu'est l'espace 197, mais c'est pas sûr. En tout cas, il a bien deviné, hein, en tous les cas. Les pilotes occupent leur place sur la grille maintenant et se préparent au départ. Les feux rouges commencent à s'allumer. Ils sont partis. Voici maintenant... Oh, le mauvais... je sais pas si c'est un mauvais départ qui a eu lieu. En tout cas, bon départ de la Williams. Oh, j'ai réussi à bien prendre le premier virage, à pas prendre aspiration dès le début. La Williams, c'est pas la plus rapide dans une droite. Regardez le jeu de l'aspiration, ce que ça fait. Il est parti en trombe. Ça, c'est une puissante accélération. Attention au premier virage. Ok, la chicane, on l'a bien prise. Allez, c'est parti. Alors là, je vais être en avant. Je vais prendre de l'avance, normalement. Enfin, si je me réfère au calife, en tout cas. Par contre, c'est dans le dernier secteur que je risque de tout perdre. On va profiter pour changer un peu de vue, tiens. Petite vue intérieure. J'aime bien cette vue. Maintenant, hein. C'est pas mal. Par contre, elle est très difficile à... dans ce jeu. Parce que j'ai tendance à plutôt... Voilà, on va beaucoup mieux hein, quand on est... quand on est en vue du dessus. Ouais, j'ai 2 secondes d'avance à peu près, et là on va arriver dans la dernière dans le dernier secteur. Concentrer sur deux choses. Essayer de doubler la voiture de devant et tenir la voiture de derrière à distance. Et bien à quel point elle revient vite. Hein. Voilà, et juste là. Nous sommes dans le deuxième tour. Alors c'est les deux Benetton hein, qui sont, je crois. Non, c'est une Williams d'ailleurs, je sais pas. Je pense que c'est une... C'est une Williams. Ah, j'ai un peu coupé. Classement de la course. À la première place, Mika Salo. En deuxième, Hans-Harald Frenzen. En tout cas, si on pouvait remporter la course, ça serait vraiment bien. Parce que, en tout cas, au niveau du championnat pilote... Hein. Quatrième, Williams numéro 1. D'ailleurs, Villeneuve qui avait abandonné, il me semble, dans le dans ce Grand Prix-là. Il était 6ème. Le moteur Renault avait un peu galéré, je trouve. En tout cas, la Williams galérait un peu en vitesse de pointe. Et Villeneuve était parti à la faute dans la chicane. Je me demande si c'est pas la deuxième chicane, d'ailleurs. J'essaie d'élargir la trajectoire, mais c'est moyen, c'est très moyen. Par contre, là, ils m'ont pas rattrapé. C'est le troisième tour. L'avantage, c'est que je vais pas leur donner l'aspiration aussi, donc ça, c'est ça pas mettre qui me colle pas trop. C'est dans un Grand Prix comme celui-ci que ces nombreuses années d'expérience en Formule 1 vont faire la différence. Vous avez tout à fait raison, Jean-Louis. Ah, il revient quand même. Oh, il revient comme une bombe. Mais elle a une vitesse de pointe de fou, là, la Benetton. J'ai pas souvenir que dans les stats en mode arcade, elle avait une vitesse aussi élevée. Normalement, elle était assez moyenne, la Benetton. Elle avait tout même niveau, si je me souviens bien. Tout middle high, en fait. Parce qu'on fait d'ailleurs une des meilleures tours du jeu avec la Ferrari. Elle était revenue à 7/10. Alors ça c'est une course assez longue, hein, parce que c'est un circuit long. Il y a toujours le même nombre de tours. Là ce sera pareil pour Spa. J'ai pris exactement la même trajectoire tout à l'heure. Bon sinon je vais parler de l'épisode récupération de télé cathodique. J'ai reçu la deuxième télévision, la Sony Trinitron, finalement.
Sauf que, bah, même problème en fait avec la première, hein. Sauf que là j'ai eu plus de chance, j'ai une image qui s'affiche. Sauf qu'en fait, elle s'affiche que sur... on va au centre de l'écran, elle s'affiche sur une hauteur de 50 lignes, on va dire. Et si je bouge, si je tape l'écran, bah, on voit que ça s'élargit, puis ça revient au point de départ. Donc je pense que le canon a dû être bougé dans la livraison, évidemment. Et que pour le coup... Je suis fait avoir là. Il est en train de collision avec Alési. Il a tout raté. La première place lui échappe. Mais je ne vous permets pas. Même avec l'aspiration, je n'arrive pas à le rattraper. Ah, c'est bon, ça passe. Ah, il freine quand même à la sortie du virage. Je pensais pas qu'il faisait ça. Et du coup, voilà. Donc, encore une télévision commandée pour rien. Alors, j'espère que je me ferai rembourser comme la première. La première, je l'avais fait rembourser. Il a pris l'assurance. La deuxième, bon, j'ai les preuves, hein, photo, que ça marche pas. Et si je me la fais rembourser, dans tous les cas, en même temps, il y a une troisième télé que je vais récupérer normalement, si c'est validé avec la personne, que je vais récupérer moi-même cette fois-ci. Alors, ça sera pas une Trinitron, hein, ça sera une Toshiba, voilà. On fera avec, hein, mais moi, je me dis que, bon, même si c'est mes Trinitron, j'ai envie de rejouer avec les consoles, en tous les cas, donc, voilà. Et puis c'est une 36 cm, donc la qualité de l'écran restera quand même bonne. On n'est pas sur une grosse télé 51 cm ou plus. Donc le rendu sera quand même normalement pas mal. À avoir la caméra avec laquelle je vais filmer quand je ferai les premières vidéos. Et à voir si je pourrais streamer. Normalement je pourrais faire un stream, mais ça va être assez particulier parce qu'il va falloir que je décale. Alors pour le son, la prise son, bah, j'ai toujours celle du casque. Donc potentiellement ça va. Mais par contre, pour la prise du son télé, je sais pas ça va donner. Je pourrais caler deux micros, hein, mais j'ai peur que ça. Ça fasse perdre un peu. En deuxième, Jean Alési. Ah, je le refais reculer. Quand j'ai l'aspiration, j'étais à 324. En quatrième, Michael Schumacher. En cinquième, Williams numéro 1. En sixième position, Gerhard Berger. C'est Alési qui prend la place de Berger, j'ai l'impression, cette course. Donc voilà. Voilà, bon, je sais pas quand je vais pouvoir récupérer la télévision. Potentiellement ça peut être très vite, comme bah en gros par rapport à la sortie de la vidéo, peut-être le jour même. Peut-être le jour d'après, le week-end, je sais pas. Bon, ça doit pas être trop long normalement. Et je m'assurerai qu'elle marche sur le trajet, après ça sera ma faute au pire, mais ça coûtera beaucoup moins cher. Hein. Parce que je sais pas, j'ai pas trop parlé des prix, mais bon, on est quand même à chaque fois à des coûts de 160-180€ pour un écran cathodique. C'est pas énorme si on compare au prix des PVM, hein, bien sûr. Mais pour les télévisions, voilà, classiques, ça fait un peu cher à chaque fois les télévisions qui reviennent détruites, quoi. J'ai envie de faire des zigzags pour l'empêcher de prendre l'aspiration à chaque fois. Le problème c'est qu'elle va le reprendre très vite. Je sais pas où ils sont les autres, mais à mon avis ils sont assez... Ah non, non, ils sont pas loin du tout. Regardez, ils sont juste derrière. Ouh, ça commence à être dangereux là, parce que s'ils recollent... Là c'est vraiment la sortie qui est compliquée, parce que si on sort un peu large, on va avoir tendance à accélérer sur le vibreur et là on part instantanément à la faute, ben, un peu comme au début des qualifications tout à l'heure. Bon, en tout cas, pour résumer ce que je disais tout à l'heure, j'ai quand même hâte enfin de pouvoir commencer ce genre de contenu. Et là aussi, je me suis raté, la chicane. Vous avez vu, quand on coupe un peu, bah, en fait, on gagne pas de temps. Hein, donc, si je fais une erreur, c'est pour ma poire, en tous les cas. Ouais, comme elle revient vite. Oh là 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 là. Toujours avec ce bruit particulier, on est toujours une abeille qui nous suit dans les Formula 1 et tout premier. Et ben voilà, je me suis loupé. Quand je disais que c'était compliqué, j'avais pas menti. Et il y en a Williams qui revient.
Si je dis pas de bêtises, c'est Frenzen, le troisième. Oh, il va y avoir un bouchon, hein, vous allez voir. Oh là là là. Ils prennent tous les risques, c'est la rage de vaincre, mon dieu. J'essaie de me décaler de l'aspiration. Mais ils vont remonter, hein, c'est évident. À 324 au moins, 325 de vitesse de pointe, la Benetton. Benetton. Ah, c'est là, faut pas que je fasse de bêtises pour pouvoir conserver mon avance. Et voilà, je suis loupé. J'ai réussi à contrebalancer le fait de la partir en tête à queue, mais ça a pas duré. On va y reprendre aspiration, c'est sûr. C'est pas évident, hein, mine de rien, parce que je pense que j'ai de l'avance à chaque fois, mais il me rattrape tellement dans les derniers secteurs. Je regarde maintenant le classement de la course. En premier, Mika Salo. À la deuxième place, Jean Alesi. En troisième position, Hans-Harald Frenzen. À la quatrième place, Shinji Nakano. Attendez une minute, plus que trois tours à faire. Attendez, il y a Nakano qui est quatrième sur la Prost. Michael Schumacher. À la sixième place, Williams numéro 1. Il y a Nakano qui est quatrième. Mais c'est basé. Bon, je sais comment faire pour les bloquer, évidemment, hein, mais bon. Nakano, quatrième. Étonnant. Étonnant, alors. Allez, huitième des 10 tours à faire. Vous avez vu comment c'est la visière? Je sais pas si vous avez déjà touché le bouton Select dans le jeu, mais en fait ça fait ralentir la voiture. Et la visière pour la nettoyer, la seule solution c'est d'aller au stand. Hein. Donc si vous roulez en vue casque, bah concrètement on est obligé de vous arrêter souvent. Faut que j'arrête de dire concrètement. Le nombre de fois que j'ai dit ça dans les vidéos, c'est impressionnant. 3 secondes d'avance. Si je le prends bien... Potentiellement, je pourrais ne pas me faire attraper. Et ouais, 3 secondes, c'est bon ça. C'est l'avant-dernier tour. Bon, ils vont remonter quand même, mais... Oh, comme ils reviennent vite! Oh là 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 là, ils se donnent l'aspiration, ils font du draft en plus. Je finis avec le même retard en fait, 0,5 comme tout à l'heure. Frenzen s'est refait dépasser par Alesi. Bon, je vais pas voir ça d'avance, on va m'attraper instant. Bonjour, allez-y.
plus qu'un tour à faire. Allez, William Zach qui va revenir. Allez, le dernier tour. Voyons comment se compose le classement maintenant. En tête de la course. Et bête Monza, on pourrait aussi un peu, mais Monza c'est encore pire, je pense. Hein. C'est encore plus difficile. Jean Alesi. En quatrième position, Shinji Nakano. Ouais, Nakano GG. Hein. En cinquième, Michael Schumacher. Sixième, David Coulthard. Oh, Coulthard. Le classement va être original. Oh, puis je vais réussir à repartir devant. Mais ils sont partis où? Ça y est, voilà le drapeau à damier. Oh, et c'est Frenzen qui termine deuxième au coude à coude avec Alesi. Alors du coup, le classement final. J'espère que Nakano va finir quatrième par contre. Mais c'est-à-dire qu'elle doit avoir une vitesse de pointe monstrueuse, la Prost. Hein, parce que pour pouvoir finir quatrième ce circuit à la régulière, surtout que l'IA peut dépasser facilement. C'est qu'une IA pas trop bloqué. Quatrième Nakano! Excellent! Schumacher, Hakkinen, il n'y a même pas Villeneuve dans le top 6. On a fait le meilleur temps. Eh, on est troisième au championnat quand même. Hein. Je veux pas balancer, mais avec tout ce qu'on a subi en début de saison, c'est quand même une belle victoire hein, déjà. Bon, après Schumacher, aller chercher tout ça, on oublie. Mais on est devant Villeneuve, on est devant, allez-y, on est devant Eddie Irvine. Et au classement constructeur, alors Prost n'apparaît pas, mais du coup il doit avoir un bon 3-4 points. Je sais pas si Panis avait marqué, je sais plus. Du coup Ferrari toujours en tête, 80, William 74, Benetton 46, on revient pratiquement au niveau de Benetton. Bon, attention, hein, c'est qu'une accalmie, les prochaines courses vont être difficiles. Et d'ailleurs, ça va être justement très difficile puisqu'on va faire le Grand Prix de Hongrie. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite dans une semaine. Ciao tout le monde!